Marché, c'est déjà très bien. Un champion olympique à moto. Ah bon? Mais il a pas ses patins. Et il a pas de patins. Il a pas de patins. Qu'est-ce qu'il fait sans patins, ce champion olympique? Vous avez reconnu Wendal Pesra. Serait-il pianiste? À 16h. Ah, je crois qu'il est très talentueux de ce côté-là aussi. Il a beaucoup de secrets et de talents cachés, ce Wendal. Nous jouerait-il la 5e symphonie de Beethoven? Vous souvenez-vous de ce programme? Non. Ah, il surprend toujours. Bonsoir à tous. Alors, je suis pas là pour vous jouer du piano. Je suis là parce que je suis parrain de cet événement et je suis très fier d'être parrain de ce premier concert de glace. Je ne suis pas le seul, on est deux. On a toujours été deux. On était deux en face de vous pour vous faire plaisir. On était là pour donner tout notre cœur sur la glace. Aujourd'hui, moi, je dois patienter un peu pour revenir devant vous. Mais elle est là. Elle a monté une chorégraphie rien que pour vous ce soir. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Marina Anissina. Qu'est-ce que c'est sympa. Oui, c'est un super respect, une entrée en matière. Alors tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que c'est la dernière fois qu'ils pourront-ils patiner ensemble ou pas? Ils repatineront ensemble en juin, me dit à l'instant Corinne Tonchai. Merci Corinne. Lara Fabian pour Marina. Tu veux bien, on cassera la gueule.
Marina Anissina, une histoire assez incroyable. Elle commence à patiner à l'âge de 4 ans sur la patinoire du CSKA de Moscou. À 10 ans, elle n'a plus qu'une idée en tête, la compétition. Elle commence à patiner, à avoir des résultats avec Ilia Averbouk. Et puis un jour, ça se termine avec Ilia. Elle envoie deux lettres parce que elle veut toujours patiner. Donc elle en envoie une au Canada, une en France. Elle a une seule réponse, c'est celle venant de Lyon. Il s'appelait la famille Pezra. Ils ont accueilli Marina. Et de là, une histoire absolument extraordinaire et nette entre ces deux champions, entre Marina Anissina et Gwendal Pezra. Cette lettre venue du froid a fait le bonheur des Français avec ce titre olympique conquis à Salt Lake City il n'y a pas très longtemps. C'est une destinée, comme il en existe tant d'autres, mais une heureuse destinée. Alors vous retrouverez Marina et Gwendal, bien évidemment, mais Gwendal a été blessé. Il a participé à une émission qui s'appelle Fort Boyard, et effectivement, depuis quelques mois, il s'est fait opérer de l'épaule. Voilà pourquoi Marina se produit seule, pour notre plus grand plaisir aussi. Ce qui fait du bien aux Français de voir cette chaleur. Allez, on les reverra patiner ensemble au mois de juin. Merci pour tout le plaisir qu'ils nous ont donné. Alors peut-être dans la tournée de l'équipe de France, qui va passer dans toute la France, je vous engage à aller voir cette tournée exceptionnelle avec tous ces grands patineurs français, Brian Joubert et tant d'autres. Je regarde parce que tu vas. Allez.